Salut à tous. La conseil, on dit aloha here, shaka, aloha. Donc voilà, une nouvelle vidéo, je viens de la faire en anglais, c'est pour ça que je suis toute transpirante. Et du coup là, je vais la faire en français. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça s'appelle le rebola en portugais, ce qui veut dire remuer. C'est un cercle qu'on fait avec les hanches, ok. Donc, je sais que des fois ça peut être compliqué de faire des cercles avec les hanches. C'est bon, on n'est pas toujours, on n'est pas tous flexibles, on n'a pas tous eu le même entraînement par rapport à ça. Donc, je donne d'abord un premier exercice pour être à l'aise avec le rebola. L'exercice que je donne, c'est d'avoir de mettre ses hanches devant, ok. Il faut vraiment bien serrer, donc devant, après vous allez droite, vous allez derrière, gauche, devant. Donc cet exercice est ce que je recommande pour l'avoir. Vous pouvez aussi aller vers la gauche, ok, de la gauche vers la droite, voilà. Donc ça, cet exercice pour moi, c'est un très bon exercice. Ensuite, une fois que vous arrivez un peu à débloquer le côté, le devant, le derrière et tout, vous pouvez aller doucement, sans casser. Vous allez juste autour, comme ça. Devant, côté, back, devant. Je suis toujours en train de parler anglais, je ne suis pas encore déconnectée. Ici, voilà. Donc cet exercice aussi, pareil, vous pouvez la faire par la droite parce que le rebola, là, ça se fait gauche, droite, peu importe. Bon, c'est bien aussi de changer et de se sentir à l'aise avec tous les mouvements. Donc une fois que vous avez ça, je vais vous montrer ce que c'est que le rebola. Donc, c'est mettre une jambe, je vais me rapprocher parce qu'on me voit, oui on me voit, ici, une jambe devant, d'accord. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout l'appui du corps sur la jambe gauche. Tout l'appui du corps sur la jambe gauche. On va s'asseoir sur la jambe gauche. Ok, je m'assois sur la jambe gauche. Je n'ai même pas besoin d'utiliser cette jambe. Je peux la lever si je veux. Okay? Donc je pose, je m'assois, je vais tout autour. Donc je fais un tour avec mes hanches, je reviens et je m'assois encore. Et je vais et je m'assois. Donc comme vous pouvez le voir, mon pied va un petit peu vers la droite, mes orteils, quand je suis assise, parce que c'est plus confortable, mais aussi parce que ça fait partie du mouvement. Et mes pieds vont plus vers la droite, j'ai un peu les genoux pliés et j'ai tout le poids du corps sur ma gauche. Donc quand je m'assois et que je vais autour, mes orteils en fait vont tourner en même temps aussi. Mes orteils vont pivoter et là ils vont se retrouver dans cette direction. Ok, donc on va dire droit, tout droit. Et après je vais m'asseoir encore et je vais pivoter encore mes orteils et je vais faire le cercle, je reviens. Et je m'assois. Donc ça, c'est le rebola. Il y a plusieurs façons de faire le rebola. Ça peut être avec des mouvements, ça peut être avec plusieurs choses. Mais là, le plus connu, c'est la main en haut, la main gauche. Ça peut être, après, ça dépend si on a la jambe droite, la jambe gauche. Enfin bref, vous avez compris. Donc la main gauche est en haut, la main droite est en bas. Et en fait, ils font tous des cercles. Bon, c'est assez compliqué parce que quand je vais faire le cercle, la main va faire aussi le cercle. Pareil, vers la droite, en même temps que les hanches. Ok? Et ma main droite va venir rejoindre, elle va aussi faire le cercle, en même temps que mes hanches. D'accord? Donc, vous pouvez faire ce mouvement-là. Donc ça, c'est le mouvement détaillé du rebola. Voilà. Donc ça prend du temps, c'est pas facile, hein. On a l'impression que c'est super facile, mais moi j'ai pris un peu de temps parce qu'il faut que le corps n'est pas fait vraiment pour faire ce genre de mouvement, vraiment, donc c'est assez, on va dire, c'est un peu tricky, c'est un peu bizarre, mais après on finit par l'avoir, hein. C'est comme ça, tout dans la vie, tout ce qui se font dans la vie, tout ce qu'on a dans la vie, c'est parce qu'on se bat pour... Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, il y en aura encore. Ça ne sera pas que la samba, il y aura la salsa, merengue, bachata, d'autres styles de samba, samba reggae, samba afro, samba...
Il y a tellement de danse sur cette planète que j'en ai des vidéos, je vais en avoir. Donc si tu apprécies ma chaîne et que tu veux en savoir plus, parce que je vais détailler un petit peu les steps de la samba, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 7 qu'ils utilisent le plus fréquemment. Et une fois qu'on connaît ces 7 steps, on peut vraiment prendre n'importe quel cours et on regarde une seconde et on se dit « Ah ok, je sais c'est lequel !» Parce qu'ils l'utilisent beaucoup, vraiment beaucoup. Donc voilà, vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube Natalina's World. Et vous pouvez aussi aller sur mon Instagram et puis voir un peu ma vie tous les jours ici à Hawaï. Bon, je ne suis pas dehors là parce que quand j'ai ma lumière et avec le vent qu'il y a dehors, bah, je n'ai pas envie de tout casser. Donc du coup, je suis en intérieur. Mais bon, je me suis mis en maillot de bain pour vous mettre un peu dans le trip Hawaï été. Voilà. Donc voilà, et vous pouvez aussi suivre, je ne sais pas si je l'ai dit, mon Instagram, Natalina Samba Hawaï. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Aloha. Bisous.